Je vais vous faire une petite revue. J'en fais pas souvent, mais là c'est vrai que c'est un accessoire qui moi personnellement m'a toujours énormément intriguée. Et vous savez peut-être si vous me suivez que j'ai franchi le pas il y a l'année dernière de me faire couper. Lorsque j'avais fait une coupe, j'avais refait la planche. Je l'avais déjà eu il y a à de nombreuses reprises, il y a des années de ça. Et j'aime beaucoup avoir la planche parce que je trouve que ça change totalement n'importe quelle coupe, ça fait plus mature, ça fait un petit truc en plus et j'aime vraiment beaucoup beaucoup la planche. Sauf que moi, personnellement, j'avais toujours un trou au milieu, elle était toujours mal placée, j'arrivais jamais à la coiffer comme je voulais. Et puis au bout d'un moment, voilà, il faut se le dire, on s'en lasse. Enfin moi, personnellement, ça a toujours été le cas. J'ai adoré les premiers jours et genre une semaine après, c'était fini, je m'en lassais, j'en pouvais plus. Sauf que une fois qu'elle est coupée, forcément, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il faut attendre que ça pousse. Donc, du coup, quand j'ai fait la dernière fois, je me suis dit, promis, je ne la referai plus jamais. J'ai trop trop attendu, j'ai trop galéré. Vraiment, non, j'en referai plus, même si j'adore ça. J'en referai plus. Et du coup, quand on m'a proposé de tester cette petite nouveauté-là, j'ai pas hésité une seule seconde parce que franchement, c'est le genre de truc qui est super super pratique et qui en général ça passe ou ça casse. Donc c'est une nouveauté de chez Franprobo et en fait c'est une frange à clip. Donc pas d'extension à clip, là c'est juste une frange. C'est le même principe que les extensions, sauf que c'est juste la frange. Donc voilà, pour celles qui veulent une frange pour une soirée, pour quelques jours, voilà, juste pour essayer, etc. Sans avoir les inconvénients d'avoir une vraie frange et de pas d'avoir de retour en arrière possible, ou alors que ça ne plaise pas forcément aussi une fois que c'est coupé, parce que ça aussi c'est un risque. Là pour le coup, pas de risque, vous clipez, c'est pas douloureux, c'est forcément, c'est hyper pratique, hyper facile, à la portée de tout le monde. Et ça prend pas de temps du tout, et surtout le résultat est super sympa. Et voilà, ça vous permet de changer de look en 2 minutes et d'avoir une frange, de l'enlever quand vous le souhaitez. Et voilà, c'est super pratique. Il y a quand même 6 teintes, et ça, je trouve ça super parce que enfin, moi j'ai déjà essayé une frange à clip que j'avais prise sur ASOS l'année dernière, je crois, je sais plus, il y a. C'est assez récent, on va dire, mais j'en avais déjà acheté une et je l'avais renvoyée parce que honnêtement, je n'aimais pas du tout le résultat. C'était super brillant. Vous voyez le cheveu qui était. On voyait que c'était pas naturel, entre guillemets, ça allait pas. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça faisait vraiment plastique. Déjà, c'était pas trop la même couleur que mes cheveux. Ça se fondait pas bien. Le cheveu était. Ça faisait plastique. C'était très très brillant. C'était assez dru au toucher. Et bref, j'aimais pas du tout. Donc, j'avais renvoyé. Et c'est la seule que j'ai testée. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit ça passe ou ça casse. Et du coup, là, il y a quand même 6 teintes. Donc ça, je trouve ça super sympa. Il y a blond clair, blond naturel, châtain clair, châtain doré, brun profond et noir intense. Donc je trouve que c'est quand même un éventail assez intéressant de teintes pour, voilà, pour tout le monde. Pour ma part, j'ai la teinte brun profond. J'ai hésité entre châtain doré et brun profond. Brun profond est un chouïa plus foncé que ma couleur. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est un chouïa plus foncé. Ça choque pas, franchement, ça choque pas. J'ai demandé à plusieurs personnes, visiblement ça les choquait pas du tout, mais c'est un chouïa plus foncé. Mais après, la teinte précédente, il y aurait eu trop de reflets, elle aurait été trop claire, et là c'est clair que ça aurait fait trop fake. Donc finalement, ça va à peu près. C'est parti. Au niveau du cheveu en lui-même, sont des fibres de vraiment haute qualité et ça se sent au toucher. Enfin, moi, je l'ai vu de suite. Donc, c'est dans un petit filet de protection, comme toute extension. Voilà. Et là, vous avez la frange. Donc, comme ça ne ressemble à rien. On est d'accord. Alors, moi, il faut savoir que quand j'ai reçu toutes les franges qui sont dedans, elles sont hyper longue et après vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Vous les adaptez à votre morphologie, à vos goûts, etc. Ce qui fait que moi je l'ai un petit peu coupée et après je l'ai passée au sèche-cheveux pour l'arrondir un petit peu, pour de fait à ce qu'elle soit un petit peu plus homogène, etc. Parce que la frange, vous pouvez la laver et vous pouvez la passer sur les appareils chauffants. Il faut juste pas que ça dépasse 170 degrés pour pas l'abîmer. Je vous déconseille de passer le fer à lisser. J'ai essayé et ça fait pas joli, ça fait pas naturel. Le sèche-cheveux, au contraire, je trouve que ça fait des cheveux totalement naturels. Donc là, je sais pas si ça se verra. Donc en fait, sur le côté, c'est plus long, c'est juste pour que ça se fonde sur vos cheveux naturels. Après, à vous de les garder ou pas. Moi, je les ai gardés. Et derrière, vous avez 3 clips, un clip en haut
et un clip de chaque côté. Donc personnellement, je pense que celui du haut aurait suffi. Mais pourquoi pas, en fait, ça permet de mieux tenir et de mieux s'incruster dans le crâne, de façon à ce que ça se fonde un petit peu mieux. Donc, je vais vous montrer comment l'installer, comment faire ouais, voilà, comment l'appliquer, etc. Et vous allez voir, c'est hyper facile. Donc tout d'abord, vous coiffez vos cheveux. J'ai aucun miroir, je me vois juste dans le retour écran. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Vous faites juste l'arrêt sur le milieu. C'est plus facile en fait pour faire pour installer votre frange. Donc vous voyez, là j'ai marré sur le côté, sur le milieu, pardon. Je prends le clip et je viens le placer à peu près sur le milieu du crâne. Donc après vous ajustez en fait, vous faites en fonction de. Et après vous fondez les cheveux. Donc vous voyez, c'est quand même un ton plus foncé, on est d'accord. Ça fait bizarre de passer de la frange à pas de frange, mais vous voyez, ça fait à peu près ça. Et une fois que c'est clippé, ça tient vraiment très bien. Les clips ne font pas mal à la tête aussi, il y en a qui peuvent faire mal, là c'est pas du tout le cas. Donc voilà un petit peu le résultat de la frange qui est clippée. Donc, je sais pas si vous verrez bien, je vais faire d'autres zooms, mais elle est vraiment bien clippée sur le dessus du crâne. Ça se voit pratiquement pas ou très 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 peu. Donc voilà le résultat avec frange une fois qu'elle est posée. Donc vous voyez, ça change absolument tout, mais vraiment je trouve qu'une frange, oui, ça change tout, on est d'accord. Au niveau de la frange de celle-ci, franchement j'aime bien, hein, j'aime même beaucoup. Je la mettrai sûrement quand j'aurai envie de frange, etc. Je trouve que voilà, pour une occasion, pour une soirée ou pour même quand on en a envie, vous savez, quand on a ce déclic, ça peut être vachement sympa. Elle est vraiment de très bonne qualité. Elle se clipe facilement, elle tient bien, elle ne fait pas mal, elle n'est pas désagréable. Et surtout, surtout, elle est de bonne qualité, quoi, tout simplement. Il y a pas mal de couleurs, donc voilà. Après, regardez bien. Celle-ci, elle a un chouïa plus foncé, mais l'autre aurait été plus clair. Mais bon, voilà, après, ça choque pas des masses, quoi. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous en parler un petit peu, sachant que c'est une nouveauté et je pense que nous, les filles, on est confrontés au problème de la frange au moins une fois dans notre vie. Et du coup, je pense que ça peut être une super bonne alternative plutôt que d'aller chez le coiffeur à reculons, d'avoir envie de la frange, mais une fois faite, ben, voilà, on ne peut plus reculer, ou vraiment d'en avoir très très envie, mais de ne jamais oser franchir le pas, ben là, vous pouvez avec ça. Je vais vous montrer maintenant juste vite fait une coiffure que vous pourriez avec la frange. On peut faire n'importe quelle coiffure. Bon, honnêtement, les cheveux lisses, je trouve ça juste voilà, classique et suffisant. Mais après, si vous voulez un petit peu plus de une coiffure un petit peu plus girly, un petit peu plus féminine, pour cette coiffure, donc j'utilise juste mon fer à lisser comme d'habitude. Et en fait, je vais prendre quelques petites mèches par-ci par-là, rien de voilà, rien de calculé ni quoi que ce soit. Et je vais les boucler, mais juste vers la fin, les onduler très délicatement. Je clip. Je tourne. Et me voici avec une petite ondulation. Je ne sais pas si vous voyez. Et je fais pareil avec des mèches que j'attrape à droite, à gauche, dessous, dessus, peu importe. Ça n'a guère d'importance. Mais je reste vraiment sur la fin de la mèche. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. C'est rapide. C'est parfait. Voilà, donc là je me retrouve avec tout le bas des cheveux ondulés, bouclés, appelez ça comme vous voulez. Je vais faire pareil derrière et un petit peu sur les côtés. Et là je vais juste prendre les cheveux du haut, une partie des cheveux du haut en fait, que je vais venir boucler. Donc voilà le look final, je trouve ça vraiment très féminin, girly, mais voilà, c'est juste mignon en fait, voilà, je trouve ça très mignon tout simplement. Et après je trouve que ça se marie assez bien avec tout ce qui est un petit peu matière du moment qu'on voit partout, tout ce qui est crochet, dentelle, motifs imprimés, etc. Voilà, qui vont assez bien avec le reste de la coiffure où la couette de derrière un petit peu, vous avez les ondulations qu'on a faites. Il y a le petit nœud sur le dessus et il reste en fait les petites mèches ondulées aussi que j'aime bien mettre sur le devant avec la frange comme ça. Je trouve ça assez mignon quoi, tout simplement. Et vous pouvez changer de look en là.
un claquement de doigts et ça c'est super. Donc voilà, ça plaira pas. En tout cas, moi je trouve l'idée sympa et le fait que ce soit à la portée de tout le monde, ça je valide complètement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, ça change complètement de ce que je fais d'habitude, on est d'accord. Ça reste dans le domaine de la beauté aussi, c'est une nouveauté aussi. Et là franchement j'avais vraiment très très envie de vous donner mon avis, de vous montrer comment l'utiliser parce que je suis une quiche en ce qui touche, tout ce qui touche à la coiffure, etc. Et là franchement voilà, c'est juste super facile à faire quoi, tout le monde peut le faire. Et il y a un bon éventail de couleurs et tout, donc voilà, je trouve l'idée sympa. Donc j'avais très envie de vous en parler parce que vous savez que j'aime vous parler de tout ce qui est nouveauté, coup de cœur et tout, et là c'est en fait totalement parti. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire si par cas j'ai pas déjà répondu dans la vidéo. Et voilà, dernière chose, elle n'a pas perdu de cheveux encore parce que voilà, je pense que ça peut être le cas, comme les extensions, elle n'a pas bougé, donc c'est tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.